Jackie est invisible. Pas invisible, invisible. Il est invisible. On le voit pas. On le remarque pas, comme s'il n'existait pas. Ça a commencé quand il était tout petit. Sa mère s'occupait de lui, mais sans vraiment le regarder, sans un mot doux, sans une caresse, sans un câlin, sans un souffle dans le cou, rien. Comme s'il n'existait pas. Pas forcément, il n'a pas appris à beaucoup à sourire non plus. Et son père, quand il était là, c'est comme quand il était absent. De toute façon, ses deux parents, ils n'avaient pas grand-chose à se raconter. Ils étaient comme étrangers, avec ce gamin qui grandissait entre leurs pattes. Et quand ils se disputaient, là c'était pire. Alors Jackie, dans ces cas-là, il se faisait tout petit, il se rentrait en dedans pour passer inaperçu. Il se rentrait complètement, invisible. Quand il est allé à l'école, ça a continué pareil. En classe, quand la maîtresse balayait du regard la salle, elle ne s'arrêtait jamais sur lui. Et quand elle posait une question, dans la forêt des mains tendues, elle choisissait jamais la sienne. Invisible. Dans son cahier, c'était marqué « médiocre, moyen, manque de participation, effacé ». En récré, pareil. Quand ça sonnait, les gamins allaient tous à la cour, ça s'égayait de partout, les groupes se formaient. Et puis Jackie, ben, il restait tout seul. Il avait l'habitude, de toute façon, lui, il comptait pas. Lui, il était personne. Quand il y avait besoin de quelqu'un dans un groupe ou dans une équipe, on le prenait jamais. Mais c'était comme ça. Un jour, dans la classe, est arrivé un nouveau. Il s'appelait Tonnelier. Tonnelier, il n'avait rien de spécial, mais Tonnelier, tout d'un coup, tout le monde s'est mis à le voir, Tonnelier. Il avait, je ne sais pas, les épaules un petit peu en arrière, à l'air assuré, toujours content, avec un petit sourire en coin, le sourcil en haut, et puis il parlait avec les mains, et puis il avait la voix qui chantait. Tonnelier, mais tout le monde s'est mis à l'aimer, la maîtresse en premier. Tout ce qu'il faisait Tonnelier, c'était bien. Même quand il faisait une bêtise, c'était bien. Et quand il faisait rien, c'était bien aussi. Tout le monde aimait Tonnelier, tout le monde voulait être son copain. Tout le monde l'admirait. Bien sûr, Jackie aussi admirait Tonnelier. Un soir, en rentrant chez lui, en passant devant la palissade du terrain vague, Jackie entend un gémissement. Une plainte, des pleurs. Il va vers la clôture, il enjambe la clôture, et dans le terrain vague, il y a une épave de voiture, et il le voit derrière l'épave de voiture, accroupi, la tête dans les bras, en train de pleurer. Tonnelier, en train de pleurer. Alors là, Jackie, jamais il aurait pensé que Tonnelier pouvait être triste. Tonnelier, c'est pas possible, Tonnelier. Ah! Et Tonnelier qui pleurait. Alors Jackie, il a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Il s'est approché de Tonnelier et puis il lui a mis la main sur l'épaule. « Oh, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Mais va-t'en, fous le camp !» dit Tonnelier. « Va-t'en, fous le camp! Je veux pas qu'on me voit comme ça! Je veux que personne me voit comme ça! Personne !»« Moi, je suis personne !» Il n'était pas habitué à parler beaucoup. Moi, je suis personne. Moi, je compte pas. Moi, c'est comme si j'étais pas là. Pleure si tu veux. Ça fait du bien de pleurer. Moi, je pleure quand je suis triste et puis après, ça va mieux. Ah, du coup, le tonnelier, il s'est arrêté de pleurer. Barre-toi, barre-toi. Jackie s'en va. Arrivé à la clôture, il se retourne. Mais Jacques lui fait un petit. Le lendemain, en arrivant en classe, les élèves sont rangés. Tonnelier frôle Jackie et lui dit
Merci pour hier. Ah, Jackie, ça lui a fait quelque chose de chaud là-dedans. Et toute la matinée, de temps en temps, Tonnelier se retournait et regardait Jackie. Ah, oh, Tonnelier voyait Jackie. Jackie existait dans les yeux de Tonnelier. Et ça lui a fait une chaleur qui a grandi là. Et à la récré, il y avait un groupe qui jouait au béret. Il manquait quelqu'un chez les Bleus. Tonnelier dit, hey « Hé, Jackie, viens! Viens faire un bleu! » Ah, oh, Jackie, il est content, il va jouer. Et quand c'est son tour de lutter contre Tonnelier, Tonnelier le laisse gagner. Ça, c'est plutôt sympa. Arrivé en classe, les enfants sont rangés avant d'entrer en classe. Jackie frôle Tonnelier et lui dit, « Merci pour tout à l'heure. » Tonnelier lui fait un petit clin d'œil. Bon, ils ne sont pas devenus les meilleurs copains du monde, hein. Ils s'apprécient, mais sans plus. Mais il y a un petit soleil qui est en train de grandir à l'intérieur de Jackie. De temps en temps, ils se croisent le soir et ils font un petit brin de marche ensemble. Tonnelier lui dit, ah punaise, je me demande comment tu fais, toi, vraiment, toi, t'es super, quand tu veux être tranquille, t'es tranquille, personne t'embête, moi je sais pas comment tu fais, moi dès que je lève la petite voix, tout le monde me regarde, je sais pas comment tu fais, oh, ah c'est super, comment tu fais? Bah, Jackie est étonné que quelqu'un s'intéresse à sa façon d'être aussi triste, alors il explique quand il était petit, quand ses parents se disputaient, comment il rentrait en lui. Alors Tonnelier a essayé des fois, quand il a envie d'être tranquille, Tonnelier, il rentre un petit peu en lui, ça marche. C'est super. Et de son côté, Tonnelier, il a expliqué à Jackie comment il faisait pour, pas être le centre du monde, mais pour exister. Il dit, c'est facile. Je grandis à l'intérieur, je respire bien fort, et puis je me dis, t'es là, je suis là, j'existe. Jackie, il a essayé, ça marche. Et le petit soleil, il a monté jusqu'au coin de sa bouche. Jusque dans les yeux, ça brille un petit peu. Les enfants de la classe se sont rendus compte tout doucement qu'il y avait quelque chose de différent. Et à la fin de l'année scolaire, il y a une copine qui lui a dit, « Oh, toi, Jackie, t'es pas comme les autres garçons, t'es gentil, mais tu sais écouter. » Elle l'a invité à son anniversaire. Le temps a passé, Jackie a grandi, il a préparé un métier, il est devenu psychologue, un très bon psychologue. Il a beaucoup de clients et les gens disent de lui dans la salle d'attente, on parle de lui comme ça, hein. On dit, ah, il est bien, celui-là, il s'est bien écouté. Et il a un sourire intérieur. C'est comme ça que les gens l'appellent. Monsieur Jackie, c'est le sourire intérieur. Échu.